première, la Première Guerre mondiale, l'a été sur bien des fronts. Première course à l'armement le plus meurtrier. Le char d'assaut, inventé par les Anglais qui l'appellent tank, apparaît dans la Somme en septembre 1916. Apparition aussi des gaz de combat, utilisés par les Allemands dès avril 1915 à Ypres, en Belgique. Autres innovations, la guerre dans le ciel à partir de 1914 et la guerre sous la mer, lancée par les Allemands dès 1915 en mer du Nord. Plus d'1,3 milliard d'obus sont tirés durant le conflit, illustrant la place essentielle prise par l'artillerie, avec notamment la fameuse Grosse Bertha. Les bombardements causent 70% des victimes militaires. Des premières en médecine de guerre. Le casque métallique se généralise pour protéger la tête des éclats d'obus. Protection dérisoire. Amputés, estropiés, gazés, aveugles, défigurés, des dizaines de milliers de gueules cassées, 10 à 15 000 en France, reviennent du front. Pour eux, la chirurgie fait des progrès considérables avec les premières greffes de peau ou les implants. Toute une organisation sanitaire moderne se met en place pour soigner les millions de blessés. La guerre favorise aussi la naissance de la psychiatrie qui soigne des centaines de milliers de soldats traumatisés par les bombardements. Première guerre médiatique. L'ensemble des belligérants crée des offices de censure et de propagande. Affiches, journaux, BD, photos, sans oublier le tout jeune cinéma, tout est bon pour fortifier le sentiment national et diaboliser l'ennemi, y compris les censeurs qui traquent les subversifs dans les théâtres et music halls. Première mobilisation des femmes. Partout, celles-ci remplacent les hommes partis au front. Elles deviennent conductrices de tramway, livreuses de charbon ou tourneuses d'obus. Dans de nombreux secteurs masculins, les femmes vont parfois trouver le goût de l'émancipation. Première organisation internationale, le traité de Versailles crée en 1919 la Société des Nations, ancêtre des Nations Unies, mais qui ne parviendra pas à empêcher la Seconde Guerre mondiale. Celle qui devait être la der des der aura également accouché d'une autre première qui marquera le XXe siècle, le génocide arménien et les exactions systématiques contre des populations civiles qui feront des millions de morts.